Jean-Marc Schenker est professeur à l'Université de Luxembourg. Après avoir été professeur à l'Université de Toulouse, c'est un ami et un complice de longue date. Il s'intéresse aussi, c'est un mathématicien, mais qui s'intéresse aussi aux questions de recherche et d'enseignement supérieur. À titre personnel, mais aussi par des engagements institutionnels. Et il a un goût aussi pour le travail avec les sciences sociales et économiques. Il a par exemple publié en 2014 à Scientometrics un article avec Pierre Dubois et Jean-Charles Rocher sur la productivité et la mobilité dans la recherche académique à partir du cas des mathématiciens, qui était venu d'ailleurs présenter ici au collège. Et voilà, je le remercie d'être là pour nous parler de classer par les mathématiques, une mutation rapide à l'échelle internationale, un grand sujet. Bon, merci beaucoup Pierre-Michel pour l'invitation et pour la présentation. Comme Pierre-Michel l'a indiqué, ici je suis à la fois cobaye, c'est-à-dire mathématicien, mais aussi j'essaye d'être un cobaye qui s'intéresse aux autres cobayes et qui essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Donc c'est un petit peu un double jeu. Alors j'avais donné un titre qui est celui que Pierre-Michel a donné, j'en ai trouvé un autre un peu meilleur en préparant mon exposé, qui est comme sous-titre ici, c'est « Où sont, où vont et que font les mathématiciens ?» Donc ce que je vais essayer de faire ici, c'est rien de profond, c'est simplement de donner un certain nombre d'éléments descriptifs sur la manière dont les mathématiques en tant que discipline et les mathématiciens ont tendance à évoluer et à se déplacer à la fois géographiquement et d'un point de vue disciplinaire, enfin comment les sous-disciplines des mathématiques évoluent au cours des dernières années. Alors comment faire ça? Alors c'est un travail qui s'appuie sur des données bibliométriques. Alors, en pratique, c'est un exercice qui est devenu assez courant. Pour faire ce type de travail, on utilise un ensemble de journaux de référence. Cet ensemble de journaux de référence permet de définir une population de mathématiciens actifs. Et à partir de là, on peut étudier cette population et dire un certain nombre de choses dessus. Alors, les données que j'ai utilisées, sont des données qui sont très limitées d'un point de vue bibliométrique, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout des données exhaustives, c'est au contraire des données qui concernent uniquement les publications dans un relativement petit nombre de journaux mathématiques qu'on peut considérer comme étant des journaux de référence. Alors comment faire pour déterminer une liste de journaux de référence? Ce n'est pas du tout facile. Je me suis basé au départ sur le travail qu'on avait fait avec Dubois et Rocher, que Pierre-Michel Minguer a rappelé. À l'époque, on avait défini une liste de journaux, 98 journaux, qui avaient été sélectionnés selon des bases plus ou moins bibliométriques, un peu standard, mais de manière à peu près retrouver l'intuition que pouvaient avoir des mathématiciens sur la qualité des journaux mathématiques. Et donc j'ai repris ces données récemment pour la période 2007 à 2016, en rajoutant des journaux qui ont été classés par un groupe de mathématiciens experts, qui sont des mathématiciens réunis par l'Australian Mathematical Society, en haut de la classification qu'ils ont déterminée. Hein, donc pourquoi j'ai pris cette liste? Parce que simplement, c'est à peu près la seule liste que je connais, qui a été constituée par des mathématiciens qui se sont réunis pour décider quels étaient les journaux de référence dans leur discipline. Alors on arrive comme ça à une liste d'à peu près 200 journaux, approximativement. J'ai donné la liste des premiers par ordre alphabétique, juste pour vous donner une idée de ce que ça représente. Donc là-bas, il y a de très bons journaux spécialisés, de très bons journaux multidisciplinaires dans les mathématiques, et il y en a certainement, si vous êtes mathématicien, que vous connaissez bien, et d'autres que vous ne connaissez pas, parce qu'ils sont dans une autre discipline. Voilà, en tout cas, tout ça permet de constituer un corpus qu'on peut étudier. Alors, ce corpus, encore une fois, il est négligeable par rapport à l'ensemble des articles publiés en mathématiques. Hein, parce que si vous regardez l'ensemble des journaux de mathématiques, ça représente beaucoup plus que la liste de journaux que j'étudie. D'un autre côté, je pense que cette liste de journaux permet de relativement bien représenter l'ensemble des mathématiques considérées comme les plus importantes qui sont faites dans les 20 ou 30 dernières années. Hein, donc on va certainement rater des articles. Mais là, l'objectif, ce n'est pas d'identifier exactement ce qui compte le plus en mathématiques, c'est d'avoir une idée statistique sur le mouvement d'un certain nombre de choses, hein, de mathématiciens ou d'évolution disciplinaire. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue quantitatif, hein? Alors, actuellement, alors malheureusement, je vous donne des données qui sont un peu partielles, hein, c'est-à-dire que le recueil est encore en cours. Pour des raisons techniques, ce n'est pas du tout immédiat d'obtenir ces données. Je pourrais vous expliquer pourquoi, parce que essentiellement, les données viennent de l'American Mathematical Society, et d'une partie de l'AMS qui s'appelle Mathematical Reviews, qui fournit des résumés de tous les articles mathématiques qui apparaissent et qui permettent donc d'avoir des données bibliométriques très, très riches. Hein. Mais on ne peut pas aller prendre toutes leurs données comme ça. Ils ont des conditions d'utilisation qui sont assez drastiques et on est obligé de les respecter. Alors, ceci dit, donc ces données, actuellement, elles représentent à peu près 230 000 articles dans la période 1984-2016. Ces 232 000 articles sont écrits par 115 000 auteurs, mais ces auteurs, comme dans beaucoup de situations similaires, la plupart de ces auteurs n'ont quasiment rien écrit. Hein, donc, sur les 115 000 auteurs, il y en a 56 000 qui ont écrit un seul article, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas dire grand-chose sur eux. Hein, on n'aura pas beaucoup d'informations sur la manière dont ils se déplacent, par exemple. On a 24 000 auteurs avec au moins 5 articles. Donc là, c'est une population de gens sur laquelle on peut commencer à dire plus de choses. On a 11 000 auteurs avec au moins 10 articles et seulement 3 500 avec au moins 20 articles. Et si on regarde la queue de la distribution, on voit qu'on a des auteurs avec 200 ou 300 ou 400 articles. Et évidemment, ils sont trop nombreux pour qu'on puisse les utiliser de manière statistique. Alors, une fois qu'on a une population d'auteurs, c'est important aussi d'avoir une idée de quelle est la qualité de leur travail, hein, quelle est l'importance de ce qu'ils produisent. Et là, c'est important de choisir quelque chose qui soit adapté à la discipline. Et pour le faire, donc, on peut utiliser plusieurs types d'indicateurs. Et je pense que c'est important de voir qu'on a plusieurs types d'indicateurs. Un indicateur possible, c'est le nombre d'articles qu'ils produisent. Bon, ça dit quelque chose, hein, c'est un indicateur qui a des biais entre sous-disciplines des mathématiques, par exemple. Dans certaines disciplines, on produit beaucoup plus d'articles que dans d'autres. Mais ça donne des indications. On a un indicateur de qualité des journaux qui est défini par Mathematical Reviews, qui s'appelle le MCQ, pour Mathematical Citation Quotient. Donc c'est un indicateur de citation à 5 ans qui est fait non pas sur l'ensemble de la littérature, mais sur une partie de la littérature qui est constituée des journaux de référence. Et il se trouve que, à mon avis, et je pense de la vie de pas mal de mathématiciens, cet indicateur donne de bonnes indications sur la qualité des revues, au sens de leur qualité pour les mathématiciens, pas forcément pour les applications. Et donc, on peut définir à partir de là des indicateurs. Par exemple, un indicateur que je vais utiliser un petit peu ici, qui s'appelle MCQ0, qui est simplement donc le nombre de pages divisé par le nombre d'articles d'auteurs, qui permet d'attribuer en quelque sorte un indicateur de production mathématique à chaque auteur, un indicateur MCQ1 où on pondère le nombre de pages divisé par le nombre d'auteurs par la qualité de la revue, hein, telle qu'elle est indiquée par le MCQ, et puis un indicateur qui pondère plus fortement, hein, qui est ce MCQ2, qui permet d'avoir un poids très important donné à des très bonnes revues. Donc là, on a différents éclairages donnés à la même population, et ça permet d'avoir des indications différentes et des pondérations différentes, des biais différents. D'accord ? Voilà. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'on voit dans les données, on a une augmentation très importante du nombre d'auteurs qui apparaissent au cours du temps. Hein, dans tout ce que je vais donner, on a 8 périodes qui vont de 1984-88 jusqu'à 2013-2016. Et le nombre d'auteurs qui apparaît augmente de manière très impressionnante. Il ne faut pas en déduire que le nombre de mathématiciens augmente de la même manière. Hein, ce n'est pas du tout évident. Ça peut être un effet lié au recueil des données, à la liste de journaux, au fait qu'on a plus de journaux, etc. Je pense qu'il y a en effet une augmentation du nombre de mathématiciens, mais elle n'est pas aussi importante. Voilà. Alors maintenant, vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On peut commencer par exemple par étudier la géographie des mathématiques. Alors la géographie des mathématiques, à mon avis, ce qui est intéressant dans ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il y a des évolutions rapides et qui ne sont pas forcément visibles, en fait, même par les mathématiciens. Donc, par exemple, la part des pays fait apparaître des évolutions importantes. Hein, c'est des évolutions qu'on avait déjà vues avec Dubois et Rocher dans le papier qu'on avait fait il y a quelques années, mais qui sont plus frappantes aujourd'hui en ce qui concerne certains pays.
Alors j'espère que vous arrivez à lire à peu près les graphes qui sont au tableau. Je peux essayer d'augmenter un petit peu la taille de l'image. Mais vous voyez, si vous regardez par exemple les USA, donc là je vous ai tracé trois lignes. La ligne rouge correspond à l'indicateur MCQ2. Donc c'est l'indicateur qui pondère le plus les très bonnes revues. L'indicateur vert correspond à un indicateur intermédiaire et l'indicateur bleu à une pondération très faible, hein, donc à une vision plus large de l'ensemble des revues. Donc, on voit que les États-Unis, par exemple, publient plus par rapport à l'ensemble des mathématiciens dans les très bonnes revues que dans les revues moyennes. Bon, parmi celles qui sont quand même dans la liste. Et la part des États-Unis était au début de la période d'à peu près 50% parmi les articles publiés dans les très bonnes revues, elle est tombée à peu près 32%. Hein, donc on voit une évolution très rapide qui est un passage de la moitié de la production internationale à peu près un tiers. Si on regarde la courbe bleue, qui correspond à quelque chose de plus large, on a une évolution qui est exactement parallèle. Bon, une autre évolution qui pour moi était une surprise, c'est que la Grande-Bretagne, par exemple, a augmenté de manière considérable sa part dans les revues les plus sélectives. Hein, donc on a une augmentation générale de la part du Royaume-Uni, hein, mais pour les revues les plus sélectives, c'est particulièrement frappant, puisqu'on passe d'à peu près 3,5% de la production internationale dans les années 80 jusqu'à plus de 6,5% aujourd'hui. Hein. Alors là, je vous donne des données, j'essaye pas de les expliquer. Je pense que c'est important déjà de savoir quelles sont les données avant d'essayer de comprendre d'où elles viennent. Hein, donc si on prend la part de l'Allemagne, on voit une évolution plus complexe, hein, avec une augmentation, une diminution, une réaugmentation. La France, qui est peut-être le pays qui nous intéresse le plus ici, parce que c'est quand même... Tu dis que l'échelle n'est jamais la même. Oui, alors je suis désolé, oui, mais ma capacité à faire des graphes corrects s'est améliorée pendant ce travail. Ah. Au début, je ne savais pas faire. À la fin, j'arrivais mieux à le faire. Et j'ai changé d'échelle en cours de graphe, hein, bien sûr. Oui, pour les États-Unis, on n'est pas sur la même échelle que pour la France. Ouais. Sinon, on ne verrait absolument rien, parce que plus tard, je vais donner d'autres pays. Donc, vous voyez, l'Allemagne, par exemple, est à peu près à 8% de production internationale pour les très bonnes revues aujourd'hui, avec une augmentation, donc c'est quand même plus que la Grande-Bretagne. La France, par exemple, par contre, est montée jusqu'à presque 14%, et on voit par contre une diminution au cours des dernières années. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on va peut-être essayer d'expliquer un peu plus tard quand on va voir comment se passe la mobilité des mathématiciens. Voilà, et si on prend un autre pays développé, là je suis dans les grands pays traditionnels de la recherche mathématique, hein, donc l'Italie, on a une évolution qui pour moi a été très surprenante aussi, c'est que dans toute la période, on voit une augmentation de la part de l'Italie dans la production, dans les revues les plus sélectives, comme dans les revues moins sélectives, hein, avec une augmentation qui permet d'arriver jusqu'à plus de 4,5% de part mondiale, ce qui finalement pas très loin de ce qu'on voit pour le Royaume-Uni par exemple. Hein, donc on voit que l'école mathématique italienne, non seulement reste importante, mais elle a tendance à se porter de mieux en mieux, ce qui pourrait être surprenant par rapport à ce qu'on voit sur l'évolution de la situation en Italie. Voilà. Alors maintenant, on peut passer à d'autres pays qui montrent une évolution beaucoup plus drastique, hein, qui sont plutôt d'une certaine manière, des nouveaux acteurs. Alors bon, là, on a la situation de la Suisse qui est atypique. La Suisse est un pays traditionnel des mathématiques, on a cité Euler tout à l'heure, mais on a une évolution extrêmement impressionnante de part de la Suisse dans la production dans les revues les plus sélectives. Hein, parce qu'on part de quelque chose qui était très inférieur à 1% de la production internationale au début des années 80, ou plutôt à la fin des années 80, pour arriver à plus de 2%. Hein, la Chine a une évolution qu'on pourrait qualifier d'exponentielle si il n'y avait pas tant de mathématiciens dans la salle. C'est-à-dire qu'on voit une production qui était plus ou moins négligeable au début des années 80 et qui a l'air de partir pour atteindre très rapidement des niveaux très élevés. Vous voyez que là, ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est que la différence entre la Chine et les États-Unis, c'est que la courbe rouge, c'est-à-dire la courbe de la production dans les revues les plus sélectives, est nettement en dessous de la courbe bleue. Donc on est dans une situation où la production chinoise est sous-représentée dans les revues les plus sélectives. Malgré tout, on a une augmentation très rapide, à la fois de la production dans les revues moyennement sélectives et dans les revues les plus sélectives du domaine. Alors, le Japon, je vais passer très rapidement là-dessus, parce que c'est une courbe qui est très bruitée. Entre parenthèses, cette courbe rouge est une courbe qui est plus bruitée que la courbe bleue, parce qu'elle correspond à une population, elle se concentre sur un nombre plus petit de journaux.
Ah, mais en tout cas, on a une évolution plus complexe. L'Inde a une évolution qui reste très faible, hein, puisque le haut du tableau est à moins de 1% de la population de la part internationale. Donc on a un pays qui semble être en décollage, mais en décollage très retardé par rapport à la Chine. Hein, vous voyez qu'en Chine, on était à ce niveau-là au début des années 80. La Corée du Sud a une évolution similaire à celle de la Chine, et Singapour a une évolution qui est similaire à celle de la Chine, avec bien sûr des valeurs absolues qui restent plus faibles, hein, parce qu'on parle d'un pays de 5 millions d'habitants. La Corée du Sud, on parle aussi d'un pays qui est beaucoup plus petit que la Chine, mais on a des évolutions du même type. Ah, donc ce qu'on voit de manière globale au niveau international, c'est que les pays européens traditionnels ont une place qui reste à peu près comparable, avec une augmentation pour certains, une légère diminution pour d'autres. Les USA ont une production internationale qui diminue de manière importante, et cette diminution est compensée par l'augmentation de la Chine, de la Corée du Sud et de Singapour, hein, c'est-à-dire des pays asiatiques qui apparaissent aujourd'hui comme des acteurs de premier plan dans la recherche mathématique internationale. Voilà. Je suis désolé pour ces tableaux de chiffres qui sont un peu effrayants. Je voudrais dire un mot sur la spécialisation des pays. Et ce qui est frappant, c'est que tous les pays qu'on considère ont une spécialisation relative dans certains domaines. Alors, ce n'est pas très étonnant, je n'ai pas donné les chiffres ici pour, par exemple, la Norvège ou la Finlande, qui sont des petits pays qui ont une tradition très forte dans certains domaines. Donc, on peut imaginer, si on est mathématicien, que la Finlande a une forte spécialisation en analyse complexe, par exemple, et je crois que c'est vrai. Mais même les États-Unis, par exemple, ont une spécialisation forte, hein, parce que la part, par exemple, de la topologie, hein, la part internationale de la production en topologie pour cet indicateur MCQ2, les États-Unis étaient extrêmement fortes au début des années 80. On avait une part de 60% presque, et on descend après ces 30 années d'évolution à plus de 40%, hein, pas loin de 45%, alors que dans d'autres domaines, par exemple comme les EDP, les équations des dérivées partielles, on a une part à la fin de la période qui est de l'ordre de 25%. Donc on a un rapport 2 entre différentes spécialités sur la part d'un pays aussi grand que les États-Unis. Oui. Alors, le zéro correspond au fait... Alors, excuse-moi, donc ça, c'est un point technique qui est important. Donc, comment est-ce qu'on a fait... D'où viennent ces classifications? Elles viennent des codes spécialités de MapReduce. Et MapReduce n'avait pas de code système dynamique jusqu'à cette période-là. Donc, ça n'apparaissait pas, simplement. Un zéro, ça signifiait qu'il n'y avait pas de système dynamique dans la classification. Il y avait des systèmes dynamiques, évidemment. Donc, tu as raison. C'est un petit artefact. Voilà, un autre exemple. Donc, les statistiques, par exemple, c'est un domaine où les États-Unis représente encore aujourd'hui plus de 50% de la production telle qu'elle est mesurée par cet indicateur. Si on prend la situation française, on a le même genre de différenciation. Hein, bien sûr, comme c'est un pays qui est plus petit, on a une différenciation plus forte. Avec, par exemple, on a une évolution aussi qui est importante, avec des pics, par exemple, pour tout ce qui est physique. Alors, bien sûr, la physique ici, ce n'est pas la physique physique, hein, c'est la physique mathématique, parce que MapReduce ne s'intéresse pas à la physique. Il s'agit simplement de la partie qui est considérée comme physique mathématique ou physique théorique et qui apparaît dans la littérature mathématique. Et donc là, on a eu une augmentation de la part de la France qui est arrivée jusqu'à 25% d'après cet indicateur au début des années 80, pour redescendre en dessous. On a une part des probabilités, par exemple, qui est montée jusqu'à quasiment 20% pour rester encore aujourd'hui très forte. Et vous voyez qu'il y a une évolution forte, par exemple, les probabilités n'étaient pas si élevées que ça au début de la période. Et on pourrait essayer de l'expliquer d'une manière ou d'une autre, mais on voit qu'on a un saut extrêmement important qui fait monter la part de la France dans les probabilités à peu près 18% au milieu des années 90, pour redescendre un petit peu sur la fin de la période, mais avec un niveau qui reste quand même très élevé. Voilà. Et puis, parallèlement, les statistiques, qui est un domaine où traditionnellement la France était très faible. Hein, vous voyez qu'au début des années 80, on n'a essentiellement pas de statistiques en France. Et on a une évolution qui fait arriver les statistiques à un niveau qui est raisonnable, donc tel qu'il est mesuré par cet indicateur-là, hein, encore une fois, à la fin de la période. Si on prend un autre indicateur, par exemple cet indicateur MCQ0 dont je vais parler, qui pondère de manière beaucoup plus large l'ensemble des revues, on a un poids de la France qui est plus faible. Hein. Ça signifie probablement que la France est spécialisée en statistiques mathématiques ou théoriques, c'est-à-dire la partie des statistiques qui est publiée dans les revues qui intéresse le plus les mathématiciens, mais qui intéresse peut-être moins les biologistes ou les gens qui appliquent, hein, qui utilisent ces méthodes. Voilà.
Et puis, de la même manière, on a une évolution très importante de la Chine. Alors, la Chine, c'est encore beaucoup plus frappant. Pourquoi ? Parce que, comme on a un développement très rapide, en tout cas, on peut imaginer que ce développement a été très dépendant de la présence, dans certains domaines, de chercheurs chinois de très haut niveau, qui, en plus, ont fortement entraîné leur discipline. Donc, par exemple, les équations aux dérivées partielles, vous voyez, arrivent à un niveau très élevé, très rapidement, alors que d'autres domaines comme la topologie, où on a vu que les États-Unis étaient extrêmement importants, restent tout à fait marginaux, marginal en Chine. Voilà, donc on a une différenciation plus forte encore, avec un rapport de 1 à 10 de la part de la Chine dans les différents sous-domaines des mathématiques. Voilà, alors maintenant on peut passer à une deuxième question qui est on voit où se font les mathématiques, on peut se demander où sont les mathématiciens. Et après, la question suivante, ça sera où vont les mathématiciens. C'est quand même quelque chose qui va être intéressant. Vous voyez, là maintenant, donc, j'ai d'autres données à vous montrer. C'est la part dans certains types de populations de mathématiciens de différents pays. Donc la courbe rouge, ça correspond à des mathématiciens qui ont produit au cours de leur vie, dans l'indicateur MCQ2 dont j'ai parlé, au moins 900 points. Bon, qu'est-ce que ça signifie ? Ça n'a pas d'importance, il faut voir que c'est à peu près 200 personnes. Donc on est sur une population très concentrée, d'un faible nombre de mathématiciens qui ont une production très importante. À l'opposé, la courbe noire, c'est la population des mathématiciens qui ont produit au cours de leur existence cet indicateur MCQ2 au niveau de 40 points. Donc 40 points, c'est à peu près 25 fois moins, 22 fois moins que la courbe rouge, et c'est une population d'à peu près 10 000 mathématiciens. Donc dans un cas, on a une population relativement large de mathématiciens professionnels actifs, et dans l'autre cas, on a une population extrêmement restreinte, de 200 personnes à peu près, et puis les courbes bleues et vertes sont intermédiaires entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la part des différentes sous-populations varie d'un pays à l'autre. Par exemple, les États-Unis, on a une surreprésentation des gens extrêmement productifs par rapport aux gens qui ont une productivité importante, mais enfin, raisonnable, mais pas très importante. Et on voit que dans cette population des gens extrêmement actifs, la part des États-Unis reste quand même supérieure à 50%. D'accord ? Donc on a un pays qui reste quand même attractif, ou du moins qui garde beaucoup de mathématiciens parmi les mathématiciens qui ont une très forte production mathématique, ou qui ont eu, parce qu'encore une fois, c'est sur l'ensemble de leur existence. On a une évolution. Alors cette courbe rouge va être très bruitée pour les petits pays. Par exemple, pour le Canada, on voit qu'on a des évolutions plus fortes. On a une diminution de la part, alors ça c'est quand même quelque chose d'assez frappant, une diminution importante de la part des mathématiciens extrêmement actifs, et à peu près un maintien dans les données intermédiaires, dans les populations intermédiaires. De même, en Grande-Bretagne, on voit une augmentation forte de cette part des mathématiciens très actifs du point de vue de leur production. Voilà. Et en France, on voit à peu près la même évolution que sur la production totale, c'est-à-dire un pic et puis une légère diminution. Et une diminution qui est plus forte pour ces mathématiciens à très forte production. Voilà. Et encore une fois, on a quelque chose de très étonnant pour l'Italie, parce que là encore, mon point de vue sur les mathématiques italiennes était différent. Et je ne sais pas vraiment expliquer ces données, ou cette différence avec le ressenti, qui est que la population des mathématiciens actifs continue à augmenter en Italie, et la population des mathématiciens très actifs a tendance à augmenter aussi. Alors là, peut-être qu'on peut se demander pourquoi et comment ça se fait. Qu'est-ce qu'il explique ? Et j'ai pas d'explication pour l'instant, en fait. Il faudrait regarder les données. Oui. Eh bien, écoute, c'est facile. Il y en a à peu près 200. Donc 1%, ça représente 2 mathématiciens. Tu vois, donc par exemple, là, tu vois, tu dois en avoir 9 ou 10 à peu près en Italie. Donc c'est très bruité, encore une fois. Mais ce qui est intéressant. Pardon ? Alors, j'ai pas donné la Russie parce que la Russie est très faible dans toutes ces statistiques. Ce qui est intéressant, donc, alors l'URSS était très faible parce que les mathématiciens étaient très forts, mais ils ne publient pas dans des revues occidentales. Donc pour cette raison-là, quand on regarde les statistiques mesurées par là, on ne voit pas l'URSS. Par contre, ce qui serait très intéressant, et ça serait un jeu auquel il serait vraiment intéressant de jouer, on pourrait essayer de regarder la part des mathématiciens russes après leur départ du URSS. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais faire. Bon, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais on pourrait le faire, parce qu'avec ces données, on sait qui sont les gens dont le premier article est apparu en Russie ou en URSS. Donc on pourrait le faire. Mais actuellement, la production russe, quel que soit l'indicateur, c'est moins de 1% de la production mondiale. Et il n'y a pas d'augmentation nette ni de diminution frappante, en fait. Voilà.
Voilà, alors maintenant, la part des pays, donc l'aspect qui est plus intéressant, à mon avis, c'est la part de ces nouveaux acteurs, disons, des mathématiques. Donc, encore une fois, en Suisse, alors, encore une fois, la Suisse n'est pas un nouvel acteur, mais on a une augmentation très frappante. Et on a un croisement des courbes qui est aussi quelque chose de frappant en soi, c'est-à-dire que la part des mathématiciens, on avait vu que la part de la production totale, même dans cet indicateur rouge, était de 2 à 3% pour la Suisse, la part des mathématiciens extrêmement actifs est supérieure à 5% dans la dernière période de référence. Donc on a un effet d'attractivité qui est intéressant. Pour la Chine, on voit quelque chose de différent. On voit que la courbe rouge augmente, mais moins rapidement que les courbes noires et bleues, c'est-à-dire qu'on a une augmentation très rapide. Parce que là, vous voyez qu'on part de 0 pour aller à... Enfin, on part de 1% pour aller à 9-10% des mathématiciens actifs à un niveau moyen, disons, et une augmentation de la part des mathématiciens très actifs, qui part de 0 pour arriver à quelque chose comme 4%, ce qui est inférieur à la Suisse, quand même, pour un pays qui est un petit peu plus gros. Mais c'est quand même une évolution très frappante et très rapide. Le Japon a une évolution plate, avec beaucoup de bruit sur la courbe rouge. L'Inde a une évolution, comme on l'a vu pour la production, avec une évolution de légère remontée. Bon, cette courbe rouge-là, comme le faisait remarquer Claude, on a peu de monde. Donc ici, on est passé de 0 à 3, mais ce n'est peut-être pas significatif d'un point de vue statistique. La Corée a une augmentation rapide, très rapide, des populations moyennement productives, enfin des gens productifs à un niveau moyen. Et Singapour a une évolution aussi rapide de la population, en particulier des mathématiciens très actifs. Encore une fois, avec beaucoup de bruit. Voilà. Donc ça permet de répondre un petit peu à la question de où sont les mathématiciens, et on voit qu'il y a des déplacements, des variations. Alors on peut se demander, excusez-moi, juste un mot encore, ça c'est un autre type de données qui à mon avis est intéressant. Vous voyez qu'on a de nouveaux acteurs qui apparaissent dans le domaine, et ça correspond à un phénomène de dissémination des mathématiques à travers les universités. C'est-à-dire que si, vous voyez là, je vous ai donné des données totalement différentes. C'est la part dans cet indicateur MCQ0 ou dans l'indicateur MCQ2, à la fois des 10 premières universités, celles qui produisent le plus, il ne s'agit pas d'un classement, mais juste de savoir lesquelles produisent le plus dans l'indicateur, des 50, 200 et 500 premières universités. Et vous voyez que la part dans l'indicateur MCQ0, donc l'indicateur qui pondère largement les revues, des 10 premières universités était à peu près de 10% au début des années 80, il est passé à peu près à 5%. Dans notre période. Et pour ce qui est des 500 premières universités, on était quand même pas loin de 100% au début de la période, et on arrive à moins de 80% à la fin de la période. D'accord ? Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie importante des mathématiques qui sont faites dans une université qui n'est pas parmi les 500 premières universités pour ce qui est de la production mathématique. Donc on a de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'endroits où se font des mathématiques et des bonnes mathématiques. Et maintenant, si on prend cet indicateur MCQ2, qui pondèrent fortement les plus grandes revues, donc on voit qu'on a plus de poids donné aux grandes institutions, mais là encore, on a une diminution relative qui est très importante, puisqu'on est arrivé à presque 20% des 10 premières universités au début de la période, pour aller jusqu'à à peu près 6% ou 7% dans la fin de la période. Et si on regarde l'ensemble des 500 premières universités, le poids alors est plus important que pour l'autre indicateur, parce qu'on est à 88% peut-être, mais il reste quand même 12% de la production qui est faite en dehors des 500 premières universités. Donc on a une dissémination de la production mathématique qui devient de plus en plus démocratique, en un certain sens. Voilà. Alors, maintenant, autre question, où vont les mathématiciens ? Où vont les mathématiciens ? Alors, la première chose, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de mouvements qui est très importante. Alors, il y a deux types de mouvements qui m'intéressent. Il y en a un qui ne m'intéresse pas beaucoup, c'est les gens qui ont bougé peut-être un an, par exemple. On peut imaginer les gens qui sont partis en sabbatique pendant une année, ils ont changé de pays. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler des déplacements simples. Et donc là, on mesure le nombre de mathématiciens qui ont publié dans un pays une année et dans un autre pays une année suivante. Voilà. Et on a une augmentation très importante qui est peut-être corrélée au nombre de mathématiciens, mais qui est plus rapide. Mais on a une autre notion qui, à mon avis, est plus importante, c'est ce que j'ai envie d'appeler des déplacements réels. Et ces déplacements réels sont définis de manière beaucoup plus drastique, c'est-à-dire que pour qu'on ait un déplacement réel, il faut qu'un mathématicien ait publié au moins 2 articles dans un pays donné pendant 2 années différentes, et 2 articles dans un autre pays, 2 années différentes. Donc on exclut les mobilités courtes.
Donc on se limite à un nombre de mathématiciens qui est beaucoup plus faible, puisqu'il faut au moins avoir publié 4 articles pour pouvoir rentrer dans cette catégorie. Mais on est en train plutôt de regarder les mathématiciens qui ont entre 4 et 10 articles, au moins, donc une population beaucoup moins importante. On avait dit qu'il y avait à peu près 11 000 mathématiciens avec au moins 10 articles. Et on voit que le nombre de mobilités par période augmente de manière très rapide. Il y a une diminution ici qui a un pur effet de mesure, puisque simplement, du fait du type de mesure qu'on a défini, un grand nombre des mobilités qui ont été faites entre cette période-là et celle-ci n'apparaîtront que plus tard, quand les gens qui ont bougé auront assez d'articles publiés pour apparaître dans la base. Donc on peut imaginer qu'après cette correction, si on regarde les mêmes données dans quelques années, on aura continué à évoluer sur cette courbe. Donc l'élément important, c'est que vous voyez que les mobilités de mathématiciens, les mobilités réelles, étaient plus ou moins négligeables au début de la période, et elles deviennent très importantes aujourd'hui, puisqu'elles représentent maintenant plus de 1000 déplacements réels par période, c'est-à-dire de l'ordre de 10% de la population sur laquelle on est en train de travailler, peut-être un peu moins. Alors, maintenant, où vont ces mathématiciens? Et là, il y a une autre leçon qui est très intéressante. Donc, quand on avait fait le papier avec Dubois et Rocher, que Pierre-Michel Maguer a cité au début, donc on avait étudié les mathématiciens jusqu'en 2006, et on voyait que les mobilités étaient relativement faibles, et on voyait aussi qu'elles étaient relativement symétriques. C'est quelque chose qui nous avait frappé. Ça allait contre la doxa dominante, qui était que finalement, il y a une espèce de brain drain très importante de certains pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une dissymétrie qui apparaît de plus en plus. C'est-à-dire que, alors là, je suis désolé, le tableau est un peu difficile à lire, mais vous voyez que par période, donc là, il s'agit d'un certain nombre de pays, en particulier les États-Unis, donc pour chaque pays, j'ai la mobilité entrante, la mobilité sortante. Canada, entrante, sortante, UK, entrant, sortant. Et pour chaque case, on a le nombre de personnes, donc la première donnée, c'est le nombre de mathématiciens. Par exemple, 181 mathématiciens sont entrés aux États-Unis dans la période 2005-2008. Leur âge moyen, l'âge étant non pas l'âge absolu, mais l'âge depuis la première publication recensée. Donc là, on a des gens qui entrent à l'âge moyen de 10,1 années après la première publication. Donc c'est des gens relativement âgés. Et là, on a leur MCQ 2 au cours de leur vie. Et vous voyez qu'il y a des différences importantes qui apparaissent. Par exemple, il y a des pays qui sont des producteurs massifs de mathématiciens. Les États-Unis, vous voyez, dans la dernière période, par exemple, les États-Unis produisent, sortent, il y a 237 mathématiciens qui sortent des États-Unis, 135 qui y rentrent. Donc c'est deux nombres importants, mais on a beaucoup plus de sorties que d'entrées. Et le MCQ 2 moyen des gens qui rentrent est très nettement supérieur à celui des gens qui, à celui des gens qui sortent. Et vous voyez qu'on a, un effet d'augmentation de la dissymétrie. Si vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé dans la période 93-96, on avait une relative symétrie de la production mathématique des sortants et des entrants. On avait aussi une symétrie de l'âge. Aujourd'hui, on a une dissymétrie qui devient plus importante entre la production des sortants et la production des entrants. Donc on a des flux qui sont des flux qui deviennent dissymétriques à la fois d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif, tel qu'on peut les mesurer par la production. Voilà, donc on a le même genre de phénomène. Donc le Canada, par exemple, c'est un producteur net de mathématiciens, puisqu'il y a, dans la dernière période, par exemple, 58 sortants et seulement 33 entrants, c'est moins important. Le Royaume-Uni, par exemple, est un consommateur net de mathématiciens, puisque dans les différentes périodes récentes, on a beaucoup plus d'entrants que de sortants. D'accord ? Par contre, vous voyez que la production moyenne des gens qui entrent et qui sortent aux États-Unis est inférieure à ce qu'elle est pour le Royaume-Uni, inférieure à ce qu'elle est pour les États-Unis. Vous voyez, donc on a des fortes différences. Donc les gens qui vont aux États-Unis ne sont pas les mêmes que ceux qui vont en Grande-Bretagne, du point de vue statistique, bien sûr, et les effets de dissymétrie apparaissent dans les Comment différents pays. Comment tu définis entrant, sortant ? Alors, simplement, ça, si tu veux, pour les UK IN, c'est l'ensemble des mathématiciens qui avaient un poste, avaient une affiliation en dehors du Royaume-Uni dans la période précédente et ont une affiliation au Royaume-Uni dans la période suivante. Avec une durée d'affiliation suffisante. Au moins deux articles sur deux années différentes. Donc, c'est des réelles mobilités. Voilà. Voilà, c'est ça. La Alors, la France est là. Et donc la France, en fait, vous voyez, donc on a des effets intéressants en France.
Par exemple, on a un effet d'âge. Hein, il y a une dissymétrie qui apparaît. Vous voyez, on a une relative symétrie sur les indicateurs dans les périodes plus anciennes. Par exemple, l'âge, vous voyez, dans les périodes 93-96, était faible pour l'entrée et pour la sortie. Là, on a une différence qui apparaît. C'est-à-dire que sur la période récente, les gens qui sortent sont plus âgés que les gens qui entrent, avec une différence qui devient quand même assez importante, puisqu'on a, on a à peu près le même nombre de gens qui entrent et qui sortent. Enfin, on a des différences, mais qui ne sont pas forcément très significatives. Par contre, on a une différence d'âge moyen, hein, et on a une différence de production mathématique aussi. Parce que vous voyez que sur certaines années, là, par exemple, sur cette période, on a vraiment une grosse différence de production mathématique totale sur les sortants, qui est plus importante que pour les entrants. Donc on a une situation où la France attire des mathématiciens jeunes et exporte des mathématiciens plus âgés, et qui ont une production mathématique totale plus importante aussi. Hein, vous voyez, bon, je vais peut-être pas passer trop de temps à commenter les chiffres, mais l'Italie, après une période de relative symétrie, s'est mise à produire, à exporter massivement des mathématiciens dans la dernière période, hein, puisqu'elle en produit 63, elle n'en fait rentrer que 30. Alors, bien sûr, les gens qui rentrent, on peut dire que c'est par exemple des gens qui ont fait une thèse ou un postdoc à l'étranger qui reviennent en Italie après. Et la Suisse est un consommateur important de mathématiciens avec une forte dissymétrie, hein, entre la production de ceux qui rentrent, qui est de l'ordre de 650 MCQ2, et par rapport à ceux qui sortent, qui sont moins nombreux, mais qui sont aussi beaucoup moins productifs du point de vue de cet indicateur-là. D'accord ? Voilà. Si on regarde ce qui se passe pour la Chine et pour l'Inde, c'est encore plus frappant. Donc la Chine, vous voyez, la mobilité entrante est plus ou moins inexistante au début de la période. Elle devient importante, hein, elle augmente de manière importante, elle devient vraiment importante sur la fin de la période, avec un niveau de productivité scientifique des gens qui reviennent qui est fort. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine produit aussi des mathématiciens avec aussi un indicateur de production très élevé. Donc on a des gens qui sortent de Chine avec une production mathématique très forte. Alors on pourrait l'expliquer par différents moyens, ça serait intéressant de regarder exactement ce que ça signifie, mais en tout cas, il y a un fort degré de mobilité entrant et sortant, dans une moindre mesure, et dans les deux cas, avec une forte production des gens qui entrent et qui sortent. Alors, en Corée, on a beaucoup moins de mobilité. Hein, vous voyez, dans beaucoup de périodes, il n'y a aucun mathématicien qui sort de Corée. Ça augmente un petit peu ensuite, ça reste relativement limité. Singapour attire des mathématiciens, vu la taille du pays, de manière importante. Hein, 16 mathématiciens, 11 dans la dernière période, avec un niveau de production qui est très, très dissymétrique. Hein, ceux qui sortent sont très peu productifs, ceux qui entrent sont très productifs, et l'Inde reste relativement à l'écart de ce marché des mouvements, en fait. Voilà. Alors, dernier point, donc là, j'ai parlé de où sont les mathématiciens, où vont les mathématiciens, et maintenant, que font les mathématiciens ? Et je voudrais juste attirer l'attention sur un point que je ne vais pas traiter parce que je n'ai pas encore eu le temps de regarder vraiment les données, mais un point qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a une très forte dynamique interne des mathématiques. C'est-à-dire que les relations entre les disciplines ne sont pas du tout constantes. Et on a des phénomènes rapides et assez frappants. Donc, par exemple, vous voyez, là, je vous ai donné simplement un graphe qui donne les relations entre les probabilités et trois autres sous-domaines des mathématiques, qui sont les statistiques, en noir, la physique et les équations et dérivées partielles. Alors, comment est-ce qu'on mesure ce lien ? Hein, il y a deux manières de mesurer le lien. Une manière possible que j'ai un peu expérimentée, c'est de regarder les mathématiciens qui publient dans les différents sous-domaines, hein, par exemple en probabilité et en statistique. Là, il s'agit d'autre chose. Hein, il s'agit de quelque chose qui est donné par la base MathReviews. C'est-à-dire que le fait que chaque article a une discipline principale, mais aussi une ou plusieurs disciplines secondaires. Donc ce qu'on mesure ici, c'est parmi les articles dont la discipline principale est les probabilités, quels sont ceux dont l'une des disciplines principales, c'est les statistiques, la physique ou les équations et dérivées partielles. D'accord ? Et donc ce qu'on voit ici, c'est que si on regarde du point de vue du nombre d'articles, vous voyez, les relations étaient fortes au début de la période avec les statistiques. Il s'agit des articles de probabilité. Les relations étaient fortes avec les statistiques, relativement. Elles étaient faibles avec la physique et les équations des dérivées partielles. À la fin de la période, on arrive à une inversion des courbes, c'est-à-dire que les relations avec la physique mathématique, bien sûr, est plus forte qu'avec les statistiques, et les relations avec les équations des dérivées partielles sont aussi fortes qu'avec les statistiques. D'accord ? Donc la dynamique de la discipline a évolué complètement. On a un éloignement
des probabilités par rapport aux statistiques et un rapprochement par rapport à la physique mathématique et par rapport aux équations et dérivées partielles. Maintenant, si on regarde la même chose, mais pondérée par cet indicateur qui est le MCQ2, qui pondère fortement les revues les plus sélectives, on voit le même phénomène, mais de manière beaucoup plus frappante. C'est-à-dire qu'au début de la période, on a un poids plus important pour les statistiques et assez proche pour la physique et les équations et dérivées partielles. À la fin de la période, le lien avec les statistiques s'est effacé. Il est passé à simplement 5%. Et par contre, on a une explosion du lien avec la physique mathématique. Donc vous voyez qu'on a un déplacement d'une partie des mathématiques, la partie qui concerne les applications statistiques. Donc les probabilités sont éloignées des statistiques et se sont rapprochées de la physique mathématique de manière très importante, des équations et des dérivées partielles. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres domaines qu'on pourrait comparer de cette manière-là, mais ce que je veux dire, c'est que ce que font les mathématiciens évolue beaucoup. Et donc les questions auxquelles s'intéressent, par exemple, les gens qui font des probabilités ont beaucoup changé. Ils s'intéressent beaucoup moins, par exemple, aux applications des probabilités aux statistiques et beaucoup plus aux relations avec la physique mathématique. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.